fais du cinéma au ralenti dans la salle de sport. Il y a ta grand-mère avec un 5D. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait ta grand-mère. Alors, je vais l'appeler. Appelle-le. D'accord. Et calme-toi, je te jure. Bien entendu. Non, non, tu veux que j'appelle le charisme? Je l'appelle. Appelle-le, moi je rigole pas. Appelle-le. Et donc, tu veux quoi? Tu veux qu'on essaie de vous rabibocher ou vous voulez quoi? Discuter? Écoute, je crois qu'il y a un truc que t'as pas compris. Ah, ouais. Booba, c'est ton pote. Ouais, c'est vrai. Et tu le sais ce qu'il pense au fond de lui puisque c'est ton pote. Non. Il n'y a pas d'histoire de rabibochage entre lui et moi. Tu le sais bien. Donc c'est moi, impossible. Je fais ma vie de mon côté. Lui fait sa vie de son côté. Mais moi, je fais ma vie de mon côté, il est pas content. C'est Booba qui est sur moi, c'est pas moi. Donc si tu veux l'appeler, appelle-le et je vais lui dire direct. Il n'y a personne qui flippe ici, appelle-le. Je l'appelle tout de suite. Ouais, voilà. Voilà. Moi, je vais y aller. Je vais très mal garé et j'ai peur de prendre une bruit. Nous, on est très amis, quoi. Allô, allô, allô. Je suis ensemble. Allô, allô. Allô. Tu m'entends bien? Comment ça va? Tu m'entends? Ouais, nickel. Ça va? Alors, on est sur le plateau, on est en direct. Comment ça va? T'es en forme? Salut TPMP. Merci, mon chéri. Salut TPMP. Merci. On peut lui dire merci, on peut l'applaudir. Merci. Alors, il y a Caris qui est là. Et Caris. Ça va, il te dit ça va, Caris? Ça va bien ou quoi? Ah. Et ça démarre très bien. Alors, Booba, t'as dit que tu voulais enterrer. Il est dans ton cul, frérot. Non, on se calme, s'il vous plaît. On n'est pas venu pour ça. On reprend tout de suite. Tu sais où il est? Mets ta main là-bas et sors-le. Il est là-bas, il est à l'intérieur. Non, non, oh, ça va. Attendez. Ça part très bien. Booba a dit qu'il voulait enterrer l'âge de guerre. Il n'y a pas d'enterrage de l'âge de guerre. Ça, c'est des histoires, tout ça. Attendez, deux minutes. Non, parce que lui, il voulait enterrer l'âge de guerre. Il n'y a pas d'enterrage d'âge de guerre. Même s'il y a un contrat, même s'il y a un combat, ça ne sera pas enterré. Il le sait très bien. Alors, apparemment, je te le dis, Booba, Caris ne veut pas combattre. Voilà. Il t'a dit ça? Non, mais non. Des histoires. Calme-toi. Moi je lui ai dit je suis chaud comme jamais. Oui mais non mais on veut pas te battre, il faut pas se battre. C'est lui qui a inventé cette histoire, c'est non, pas mais moi. Il ne faut pas se battre. Nous on aime bien l'idée d'un combat. Là maintenant il est là au téléphone, on rigole plus. D'ailleurs on a bien rigolé on là maintenant. On veut plus de combat dans la rue. Voilà, on veut plus de combat dans la rue avec les gens à côté. Quel combat dans la rue? À Orly, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui est venu avec ses potes. Non mais juste non mais ouais mais non mais justement on ne veut plus de ça. Même Booba il veut plus de ça. Ah ouais, il veut plus ça. Donc il veut se battre sur un ring. Il veut le contrat. Pour enterrer une hache de guerre. Il est où, c'est quand? Espèce de mytho, il est dans ton huc, je l'ai dit. Mais sur quoi? Je crois que c'était une mauvaise idée. T'inquiète pas, qu'il va arriver. Attends. Tout ce qu'il veut un contrat, on va lui envoyer ton contrat. En tout cas moi ce que je pense. T'inquiète ma poule. T'inquiète ma poule. Ma poulette jambe de coq, t'inquiète. Il y a RS. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est la meilleure solution? Lui pense que c'est la meilleure solution. Mais solution pourquoi? Pourquoi pour enterrer l'âge de guerre, c'est on ce que t'as dit. La question maintenant, pas d'âge de guerre, la hache elle est dans mon garage pour couper du bois. Et bah alors? Couper du bois. Bon, écoutez, voilà, donc il, apparemment il n'y aura pas donc de combat. Demande-lui. Ah bah franchement je suis déçu, je sors de la salle en plus. Bah oui. Oh là là. Ah ouais. Il y avait combien de caméras quand t'étais à la salle? Il y avait des maquilleuses, tout ça? Hein? Il y a ta grand-mère. Tu fais du cinéma au ralenti dans la salle de sport. Il y a ta grand-mère avec un 5D. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y avait ta grand-mère. Fais la musique. Booba, en tout cas. Attends, tu ne répondras ça. Attends, ben non, jamais de la vie, tu vas bouffer comme ça. Faut répondre. Attends, j'ai Carole Rousseau derrière. T'as raison d'insulter les grands-mères. T'es vraiment quelqu'un d'intelligent. Mais est-ce que Will était là? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il prenait en levrette qui tu sais? Allez, c'est bon. Non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, là, c'est trop.